Donc, on m'a profité saluer tout le monde à la Ronde Badet et tout le monde qui vient pour venir dans les vidéos ça. Donc, on a pour des précisions plus sur notre administration ça sorti sous affaire immigration côté que yo projeté à gagner en masse déportation et que moi-même je ne jodi hein. Après que tout le temps que nous faisons, nous pas attendre, non? Pas qu'un insérieur d'immigration, ce sont des propos que oui. Si ça fait que, je vais devenir, je vais faire live sous affaire immigration. Ma porte est plus précision sur ce qui passé dans notre que le président a fait sortir tout dernièrement. Parce que, là, on a parlé de notre ça, il faut aller sur ce qui est passé l'année dernière pour montrer, non, de A que côté nous y est, côté nous garde. Donc on va qu'être panique dans la rue, hein? On va qu'être misinformation dans la rue. On va voulu que nous courir tant de misinformation ça et que nous allons déporter tête. Non. Comprenez? Information, c'est plus gros armes qui gagnent, c'est plus gros tools qui gagnent pour capable de défendre. Donc quand n'a fait une statistique sur l'année dernière et que m'a pas prêté très long parce que m'a prend à peu près 10 minutes m'a fait trop long juste pour que nous capable comprendre la vidéo. L'année dernière on allait dans les affaires citizenship. Vous connaissez d'ordinaire faut une résidence avant d'appliquer pour venir citoyen américain. En 2014, j'étais approuvé en fait de 91% de monde qui viennent citoyens américains. Dans tout le monde qui était appliqué. 2015, 91% approuvé rétra. 2016, 90% approuvé rétra. 2017, 89% approuvé rétra. 2018, 89% approuvé rétra. Qui ça, ça veut dire? Ça veut dire, you're welcome. En pile immigrant pour yo become citoyen américain. Pas de problème du tout, pas de changement. Il était constant. Donc, on allait, on nous dit, moun ki pa bo ici qui pou gen résidence et que tu as besoin d'ajuster sa stature pour vin capable de gen résidence sou pa bo ici. Seconde forme que vous fil, yore le I-485. Bon, en 2014, il y a plusieurs catégories, il y a family category, il y a employment category, il y a réfugié, il y a asile tout. Et puis il y a l'autre catégorie que nous pas mentionné. Pour nous aller sur family category. En 2014, il a approuvé 89%. En 2015, il a approuvé 89%. Qui te file I-485. 2016, yo approuvé 90%. 2017, yo approuvé 88%. Et 2018, yo approuvé 87%. La family base, leur file I-485 pour ajuster statut aux États-Unis. Ça, c'est catégorie familia. C'est-à-dire que en 2018, 87% approuvé rétablir. C'est-à-dire que nous n'avons pas de résidence. Parce que nous n'avons pas parler sans parler de numbers. Numbers sont très importants. Moun dans la catégorie employment, c'est-à-dire que vous avez un travail qui est sponsor pour que vous avez une résidence. Ou. En 2014, 95% moun yo bay résidence. En 2015, 94% moun gen résidence. En 2016, 94% approuvé rétablir. En 2017, 94% approuvé. En 2018, 91% approuvé. Moun sa yo approuvé yo gen résidence normalement. On allé dans catégorie réfugié asile politique yo. 2014, 97% yo ba résidence. 2015, 97% yo ba résidence. 2016, 97% moun gen résidence. 2017, 97% moun gen résidence. 2018, 98% pour 100 monde gagnent résidentiel. Donc,
Dans l'autre catégorie que nous avons mentionné, 92, 93, 93, 93, 94. Donc, pour me faire overall average, yo, dans I4 il est fable, alors à chercher à ajuster statut ou qu'on average approval rate là, de total approval rate, c'est li on a fait de 91%. De même, tout le monde qui a cherché moyen pour venir citoyen américain, total là lui-même, li on a fait de 90% que lié. Vous comprenez? Ah, il faut il y faire là 91% pour chercher citoyenneté ou 90% à pouvoir étudier. C'est très bien. Donc, on a la catégorie monde qui veut remplacer résidence, qui perd des résidences ou bien résidence est finie, il veut remplacer résidence. I9. 2014, approval rate 95%, 2015, 96%, 2016, 95%, 2017, 94%, 2018, 93%. Donc, pour bien dire la vérité, pas gagné rien qu'on jusqu'à présent n'a parlé à la. Donc, moi-même, ma porte l'autre précision encore. Dans l'année 2018, là, combien de monde n'est yo remove dans le pays? Là? Combien de monde qui ont déporté en tout dans le pays? Là, qui ont déporté, yo déporté en fait de 256,085 monde que n'est yo déporté dans le pays. Là. Et que n'est yo même yo projeté dans l'année ça pour yo ka reach 1 million monde pour yo déporté. On a fait de 10.5 millions de monde que yo constaté que cap vive illégal aux États-Unis. Donc année ça yo même yo projeté que pour yo remove on a fait de 1 million de monde. Donc moi même m'a demandé non comme ça m'a porté clarification pour non pour non pas courir déporter tête non pour non pas mettre dans une situation qui plus chaotique que nous pas ta penser. Donc moi même m'a dit non comme ça que si toutes les fois que vous gagnez TPS, l'hypoco expiré ou pas illégal dans le pays. Vous gagnez papier travail ou qui peut expiré ou pas illégal dans le pays. Pas de raison pour faire tête ou chaud. Plus vous avez de target, ce sont des gens qui te recevoir notice from Immigration Court qui ignorent notice. Qui pas apparaître et que yo même yo prend décision d'aide yo l'arrivé côte là li même li prononcer li voyer li juste voyons l'aide barou que déportation notice que ou même ou on doit pas recevoir gen la dedans tout qui recevoir yo ignorer yo et puis yo utiliser l'autre nom pour cap poursuivre avec immigration bénéfice eventually yo gagne immigration bénéfice donc moun sa yo même l'état gen tan gagne donné sa yo. Et que ce monde sait que il y a target et que sauf que par exemple en 2018 256 000 mentionnaires sont cas millionnaires parce que c'est comme ça administration ici marché sinon qu'à prendre 256 000 année ça l'autre année pour un progrès pour un pour 20 et que yo projeté là 1 million année ça yo on doit prendre 500 000 l'autre année yo on doit prendre 800 000 on l'autre année encore, yon doit reach million que yon te besoin, hein, et puis so. Et puis yon going on. Donc, son seul de monde qui te recevoir notice pour yon te quitte pays, a déjà yon pas quitte pays, yon ignore li, et que soit disant que yon a fonctionné ou bien utilisé l'autre nom, et puis yon gain immigration bénéfice. Et moun sa yon, c'est yon même plus yon target. Et gain moun tout qui te là ancien, qui était toujours dans le pays hein? Et que qui pas jamais intéressé gain papier ou bien il était commencé gain il était commencé gain papier et que ça mais sort il pas jamais poursuivre que ça donc papier sont arrêté à dormir donc nèg yo issue on lettre pour paraître dans côte ou pas paraître dans côte donc yo issue on lettre déportation qui tout recevoir ou pas recevoir donc yo même yo dans le système là et que y a bien chercher c'est ça seulement oui sous gain papier
ou gen yon visa nan men ou ki poko expire, ou pa illégal, ou ka poursuivre activité normalement, ou pa gen problème du tout, ou pa gen rien pour peur. Ou gen ti pièce ou ki poko expire, pa gen rien pour peur. Bon d'ailleurs ti pièce sa, administration sa li tout bloqué avèl parce que valation côte lan, yo pa ka satisfaire li. Donc tout temps yo pa ka satisfaire li, yo obligé renew ti pièce sa pour nous. Parce que pas quitter moun ba non pression pour nan déporter tête non. Depuis papier pour ko expirer ou pas illégal, pas gagner pour peur, c'est le bagage marché à papier. Si toutefois un bagage t'a passé. Donc essayez gagne un avocat. Ka ton avocat et que pour compte pour ka gagne accès avec la n'importe quelle heure. Vous comprenez? Et que pas signer rien sans avocat ou pas là, yo pas ka force tout pour signer rien. Consulter avocat ou. Si moun sa yo ou an doit être citizen tout jounen jodi an, yo te voye papier déportation ba ou et puis ou te poursuivre sous l'autre nom ou al ou gen résidence et pour vin citoyen américain. Donc ou pas exempt de déportation ça parce que ou te konnen te gen déportation ou changer nom. Vous comprenez? C'est tout calcul ça ou fait et puis gen plusieurs cases qui passent comme ça. Yo dénaturalisé yo et puis yo expédié côté sorti. Donc pas gagné pour n'a paniquer parce que ça peut venir avec donner ça yo pour nous pour montrer que à vrai jour ba résidence pas bon ici li style 90% dans tout sens tout côté passé 90% monde qui fait papier normal qui follow rules yo pas fait des ordres dans pays ou a besoin de papier. Donc c'était frère non, c'était ami non, c'était Pierre Dolcine. Et puis à la prochaine Kembela, pas paniquer, pas gagne rien pour ne paniquer là depuis que papier ou pas expiré, pas gain. There is no need to be scared. OK? All right, à la prochaine Pierre Dolcine. Sinon gain comment, n'a pas comment ça. All right, merci.